Je pense que vraiment la profondeur de la mutation qui est en cours est telle que, au fond, ça montre que c'est l'accomplissement de la fin de la philosophie au sens de Heidegger, c'est-à-dire la fin des Weltbilder, la fin des images du monde, des représentations du monde. Mais bien sûr, la philosophie ne produit plus des images du monde depuis, justement, depuis Heidegger, d'une certaine façon. On pourrait dire que, d'une certaine façon, parce que toute la philosophie moderne a, justement, s'est décalée par rapport à la vision du monde. Mais pas complètement, parce que souvent, il y a aussi, du moins, du côté anglo-saxon, il y a une philosophie politique qui a voulu continuer, c'est-à-dire, par exemple, société ouverte, société close, etc. Or, je crois que vraiment, maintenant, nous sommes déjà en dehors de ça, parce que ce qui se passe, c'est vraiment une mutation, et une mutation au sens biologique, c'est-à-dire un changement de stock génétique. Une mutation en biologie, c'est un changement dans des chromosomes. C'est quand un gène se retourne, ou deux gènes, ou que des gènes se transposent, alors on parle de mutation. On continue ? Oui, on s'arrête pour vous. Vous pouvez vous arrêter pour vous. Ah, d'accord. Donc, ça c'est très important parce que tant qu'on parle de crise, on parle d'un événement qui arrive à l'intérieur d'un processus et on doit pouvoir réparer la crise, sortir de la crise. Mm-hmm. Mais une mutation, c'est pas pareil. Une mutation, c'est que après la mutation, on a une espèce de vivant différent. Quand les biologistes provoquent des mutations chez des espèces d'insectes, on provoque aussi des mutations chez des rats, chez les lapins, on fait toutes sortes de choses. Après, c'est un autre animal qui a des caractéristiques différentes. Bon. Eh bien, je pense que maintenant, il y a une mutation anthropologique, c'est-à-dire que l'humanité, dans 100 ans, 200, peut-être 200 ans, l'humanité ne sera pas la même. Si vous voulez. C'est comme entre l'Antiquité et le Moyen Âge, il y a une mutation. Un homme du 8e siècle, comme ça à peu près, pour prendre... Oui, disons, du premier au Moyen Âge, un homme du 8e siècle n'est plus du tout un homme du 2e siècle ou même du 4e siècle. C'est un homme dont son monde est différent. Évidemment, la biologie humaine n'a pas changé, mais beaucoup, beaucoup de choses ont changé. Et puis ensuite, un homme du 16e siècle n'est plus du tout comme un homme du 8e siècle. C'est tout à fait autre chose. Un homme du 16e siècle, il voit déjà le monde jusqu'à l'Amérique, jusqu'à la Chine. Le capitalisme a commencé, donc il y a une certaine idée de la monnaie qui est là. Enfin bon, vous voyez, là on pourrait continuer longtemps, non ? Et de même, nous sommes déjà changés parce que nous sommes
Nous sommes des animaux électroniques, informatiques, etc. Donc, et puis il y a une interconnexion de toute la population sur Terre, et non seulement de la population humaine, mais de l'humanité et de tout le reste du vivant. Enfin bon, vous savez tout ça, bon. Mais tout ça nous le savons tous, mais je crois que ce que la philosophie peut et doit essayer de penser, c'est justement ce que ça signifie, et d'abord que ça signifie justement une mutation. Et que si c'est une mutation, il s'agit moins de réparer quelque chose qui marche mal que d'autre chose. Or, bon, par exemple, le capitalisme. Le capitalisme, on pourrait dire, il a toujours fait des problèmes. Il y a toujours eu des crises. Même avant Marx, si l'économie politique a commencé avec Adam Smith, mais on peut même dire plus tôt, s'il y a eu toutes les transformations qui ont provoqué la naissance et le développement de l'État moderne, tout ça, c'était déjà les transformations importantes du capitalisme. Mais nous, pendant très longtemps, nous avons pensé que le capitalisme était une sorte de microbe, de virus, qu'il fallait éliminer. Bon, non seulement on ne l'a pas éliminé, mais maintenant il a absolument tout envahi. Bon. Mais peut-être que le capitalisme va, lui, subir une mutation, parce qu'il est peut-être dans une situation très, très problématique. Pourquoi ? Parce que, on parle tout le temps aujourd'hui du capitalisme financier, ça fait juste seulement, il y a un degré où le développement autonome du capitalisme financier est nuisible pour le capitalisme lui-même, c'est-à-dire que la production effective se trouve mise en question. Et déjà aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une autoproduction d'argent qui n'est pas du tout, pas seulement indexée sur la production de biens. Et parce que justement, la production de biens elle-même pose d'autres problèmes qui sont aussi peut-être des problèmes de mutation. Parce que par exemple, le développement indéfini de tous les engins d'information, de communication, etc., fait qu'à partir d'un certain point, on voit très bien que la technique elle-même montre qu'elle n'a pas d'objectif propre. La technique, c'est juste qu'est-ce que je peux faire plus ? Qu'est-ce que je peux faire plus avec un appareil comme ça ? Je peux faire plus, je peux vous finir par vous donner le cinéma en 3D, là, sur votre smartphone, tout simplement. Mais tout ça sert à quoi ? Ça va dans quelle direction ? Donc peut-être que l'aspect le plus visible de la mutation, c'est la mutation du progrès, parce que longtemps nous avons pensé que le progrès allait vers un certain bien pour l'humanité. Et maintenant, n'importe quel progrès porte avec lui au moins des doutes. Par exemple, on fait des progrès médicaux extraordinaires. Mais chaque progrès médical porte avec lui des raisons au moins de douter. C'est-à-dire, si c'est un progrès dans la chimie des médicaments, des soins, etc., évidemment, il n'y a aucun progrès de médicaments qui n'entraîne pas aussi des conséquences qu'on dit souvent les effets secondaires, mais qui ne sont pas secondaires, qui font que les organismes sont de plus en plus transformés par ça.
Quel est le nombre de cancers? Vous êtes un optimiste en ce sens? Pardon? Un optimiste de progrès? Vous êtes un optimiste de progrès? Mais non, justement, je dis, le progrès a toujours été justement optimiste jusqu'à présent. Il y a l'idée même de progrès. Même le mot progrès voulait dire ça va vers le mieux. Ouais. Mais maintenant, j'ai presque. Oui, on peut dire, ce qui va vers le mieux va toujours aussi vers quelque chose de moins bien, mm-hmm. ou de problématique, même de dangereux. Par exemple, des effets de substances chimiques, mais aussi bien les effets des transformations génétiques qu'on peut faire. Là, maintenant, on a annoncé qu'un Chinois a fabriqué un bébé. Là, bon. Alors, on a dit, moi, j'ai entendu en tout cas des scientifiques françaises, des femmes qui disaient qu'elles étaient sûres que c'était vrai. Elles disaient, on peut jeter des doutes là-dessus, mais. C'est sûr que c'est vrai, parce que de toute façon, toute la communauté scientifique sait depuis quelque temps qu'on arrivera à faire ça. C'est comme le clonage. Alors bien sûr, ces choses-là, ça avance très très lentement, mais ça avance toujours. C'est comme, on pourrait dire, toute la pollution. Nous avons commencé à polluer il y a très longtemps. Dès qu'on a inventé la machine à vapeur, on a commencé à polluer. Mais ça, on ne savait pas. Donc on pensait que, pour moi, la fumée des machines et des locomotives, ça se perdait dans l'air. Mais voilà, deux siècles plus tard, on est obligé de dire « Ah, ouais, il y a un problème, là. » Et etc., etc. C'est comme, par exemple, dans les populations des sociétés développées, les possibilités médicales de faire vivre les gens plus longtemps sont devenues incommensurables avec ce que c'était il y a deux générations même. Seulement tous ces gens qui vivent plus âgés, mais qui sont aussi quand même toujours aussi un peu plus fragiles de tel ou tel côté, qui développent des maladies, vous voyez. Alors maintenant, il y a tout un problème à la fois humain, social et économique qui est le problème des vieux. Donc maintenant, des sociétés qui sont remplies de vieux, il y a des maisons de vieux partout, et souvent ce sont des existences assez pénibles. Et alors, en plus, on invente une nouvelle catégorie. Quasi-professionnels, c'est la catégorie des aidants, c'est-à-dire les adultes qui sont obligés de s'occuper de leurs vieux parents et qui travaillent en même temps, donc ils n'ont pas beaucoup de temps. Alors on les appelle aidants et il y a maintenant, on commence à faire des lois pour ça, pour aider les aidants. Il y a des spirales comme ça. D'abord, ça, on pourrait continuer indéfiniment. Je crois qu'il y a là quelque chose qui nous amène, au moins on peut dire ça. Avant, on pensait que ça nous amenait vers du mieux. Maintenant, on peut dire au moins qu'on ne sait pas du tout où ça va. Que ça peut aussi bien aller vers pire ou du moins. C'est l'inconnu total. Alors, le dernier film de Claire Denis, qui s'appelle High Life, vous ne l'avez pas vu par hasard? Non. Mais allez, je trouve que c'est une. Elle-même, elle n'a même pas pensé comme ça, mais moi je trouve que c'est une allégorie du temps présent. Ce sont des gens qui sont envoyés dans l'espace hors de la galaxie, même de très très longs voyages, qui rendent nécessaire d'ailleurs la reproduction, parce que c'est plus long qu'une vie humaine. Et tout ce à quoi ils vont aboutir, c'est un trou noir. C'est-à-dire à l'inconnu complète d'un trou noir, pour peut-être essayer de capter l'énergie du trou noir, parce qu'on sait que dans les trous noirs, il y a une énergie extraordinaire, mais en même temps, peut-être ils vont y disparaître complètement. Bon, c'est assez joli, je trouve, comme. Oui. Dans la communauté des ouvriers, vous avertissez pour la nostalgie d'une commune unanime et homogène,
Est-ce que c'est une pensée qui est comparable avec le discours de l'extrême droite à ce moment? Ben oui, malheureusement, oui. Oui. Et le... Non, ça, ce qui se produit avec l'extrême droite, non seulement en Europe, mais comme on voit au Brésil, en Inde, au Japon, ça c'est vraiment, c'est la réaction, on pourrait dire typique même, à l'importance de la mutation, qui en conséquence c'est une réaction de peur, de repli. On a tout perdu, alors, donc, voilà. Il y a des vieux romains qui étaient comme ça, au 5e ou 6e siècle, ils ont écrit même des textes, ils disent « Quelle catastrophe, Rome est perdue. Ah, s'il n'y a plus Rome, il n'y a plus rien. » Aujourd'hui, oui, en France, il y a des gens qui disent « La France est perdue. » Et peut-être que la France est perdue, ça c'est vrai, mais les découpages des nations européennes, après tout, ce ne serait pas très étonnant que ça doive changer. Bon. Donc, oui, en effet, ce que représente l'extrême droite aujourd'hui, c'est vraiment c'est la réaction, on pourrait dire, peut-être la plus naturelle, la plus spontanée, la plus humaine, c'est-à-dire on ne reconnaît plus rien et on a le sentiment qu'il n'y a pas d'avenir. Donc, puisqu'il n'y a pas d'avenir, alors reprenons le passé. Mmh. C'est pour ça que les Gilets jaunes, en France, aujourd'hui, ils chantent la Marseillaise. Pour quelqu'un de mon âge, c'est très frappant, parce que moi, j'ai entendu chanter l'International pendant presque toute ma vie. Mmh. Dans les manifestations, dans les luttes sociales, c'était l'International. C'était et quelle est la différence entre le temps le siècle avant et maintenant? Oui, ça c'est frappant parce que, bien sûr, les numéros de siècle, c'est toujours... c'est pas ça qui fait les périodes. Mais il est quand même frappant que... à partir de 2000, c'est vrai, mais aussi on peut dire évidemment un peu déjà avant, mais bon, parce qu'on peut aussi faire partir beaucoup de choses de la fin de l'Union soviétique, si vous voulez. Donc ça c'était avant. Enfin, en gros, c'est vrai que dans les 10 années, je dirais même pas seulement après 2000, mais là je ne sais pas, mais disons... Les 10 dernières années, c'est-à-dire maintenant on va arriver en 2019, donc si on remonte jusqu'en 2008, hein, déjà il s'est passé une quantité de choses, de transformations. Une fois j'étais rendu très conscient de ça, je veux dire, c'était tout à fait anecdotique, mais ça m'a frappé, parce que je crois que Derrida est mort en 2000. Quelque chose comme ça. Il doit y avoir 12 ans qui est mort. Donc, et ça, ce que je vous dis maintenant, ça se passe plutôt il y a 2 ans ou 3 ans, qu'un jour, je parlais avec Hélène Cixous, donc vous voyez, qui a été aussi une grande amie de Derrida, et alors, et on se dit, je ne sais plus de quoi on parlait, il y a 2 ans, il y avait encore des événements partout, et elle... Et je lui dis, ah oui, ben Jacques, il serait, je me demande ce qu'il penserait de ça. Et Hélène Cixous m'a dit, mais Jacques, il n'a jamais connu des transformations pareilles. Et je me suis dit, c'est vrai, elle a raison. Elle a raison, c'est-à-dire que jusqu'à, ouais, donc c'est en gros comme ça, jusqu'autour de 2000, et je pense que ça explique quelque chose qui est très important, qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est comment avons-nous fait, nous, les philosophes, je dirais, mais presque tous les philosophes du monde, que ce soit les dits continentaux, les anglo-saxons, pendant, disons, en gros, de
de 60, en gros, de 60 à 90, nous avons fait beaucoup de choses. La philosophie a fait beaucoup de choses, très bien. Bon. Mais on a toujours, je crois, toujours été dans une sorte de semi-conscience, je dirais, que nous travaillons dans une certaine histoire qui avançait. Donc, un certain progrès quand même. Même si dans ce progrès, il y avait la critique de l'histoire hegelienne, qui a commencé très tôt. Je veux dire, Foucault, il a déjà dit qu'on sortait de l'époque de l'histoire dans les années 60, Lévi-Strauss, tout ça. Mais malgré tout ça, sauf peut-être justement quelqu'un comme Lévi-Strauss, parce que Lévi-Strauss, lui, il a toujours déjà été extrêmement pessimiste et... Seulement, justement, lui, il n'était pas philosophe de titre, lui, donc il pouvait dire, moi voilà, l'analyse que je fais, ça me montre que c'est comme ça que l'humanité fonctionne, et tout ça, ça va finir, bon. Mais après, et ça correspond justement, peut-être, par exemple, aux dernières années de Derrida, mais aussi tellement d'autres gens qui sont morts, qui sont partis dans cette période-là, eh bien, il n'y en a qu'un finalement qui est resté inébranlable à travers tout ça, c'est Badiou. Et Badiou est absolument le seul philosophe qui continue aujourd'hui encore à dire, voilà sa formule pour le présent, c'est une période de transition. Et c'est une transition vers le retour de ce qui sera de nouveau le communisme, enfin l'hypothèse communiste comme il le dit. Or, là, je pense que Badiou avait toute sa très très grande intelligence. Il ne voit pas quelque chose parce qu'il n'y a rien à voir, ça je suis d'accord, il n'y a rien à voir. Mais, puisqu'on ne voit jamais l'avenir, ça c'est peut-être la vérité la plus fondamentale que nous apprenons maintenant, c'est-à-dire... On ne voit pas l'avenir et il ne faut pas s'amuser à le prévoir, parce qu'on est sûr de se tromper. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas voir ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans l'obscurité ? Ça veut quand même peut-être dire quelque chose. Et peut-être que maintenant, la philosophie, elle peut essayer de penser, ben je dirais, ce que c'est qu'une pensée qui ne s'appuie plus sur une sorte de certitude un peu vague, un peu, je dirais, une certitude de somnambule. Ça, c'est un mot que je reprends à Philippe Lacoulabarde, parce qu'il adorait dire qu'un comportement, une pensée était somnambulique. Et pour lui, ça voulait dire, voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas très bien ce qu'il fait, mais c'est en même temps comme quelqu'un qui marche sur le bord du toit, vous savez, qui peut se casser la figure facilement. Eh bien, peut-être qu'il y a eu quelque chose de somnambulique dans la pensée, comme ça, des dernières décennies, mais parce que il est resté extrêmement fort pour tout, pour tous les gens qui pensent dans le monde, c'est-à-dire, on pourrait dire pour tous ceux qui ne sont pas attachés à une croyance, donc à ce moment-là, évidemment, il n'y a plus de risque de somnambulisme, il n'y a plus de risque de penser non plus. Bon, il y a eu, au fond, une croyance complètement athée, hein, si on veut, mais donc, pas religieuse du tout, mais qui était la croyance en l'homme. C'était une croyance très très forte, parce qu'elle s'est constituée
Alors là, on peut dire, là, elle avait déjà commencé avec toute l'Antiquité. Elle a commencé avec les Grecs, et avec les Grecs et les Juifs, avec les chrétiens, avec tout ça. Bon. Comment évaluez-vous les événements récents et la contestation des Gilets jaunes en France? Les Gilets jaunes, c'est très compliqué parce que, d'une part, les Gilets jaunes, c'est une crise qui vient de l'avancée de tout ce qu'on appelle néolibéralisme. Mais néolibéralisme, j'aime pas trop. Il y a d'ailleurs des gens déjà qui ont discuté cette appellation, qui est trop simple. C'est une quantité de phénomènes dans lesquels il y a l'expansion du capitalisme financier, etc., l'internationalisation, la mondialisation, c'est-à-dire la connexion simultanée de tous les grands pôles de décision économique, etc., tout ça qui entraîne un déplacement à la fois de la distribution des richesses et des pôles de décision qui font qu'à l'intérieur de ça, l'Europe, elle est peut-être bien en train de perdre complètement son pari, parce que le pari de l'Europe a été de constituer une grande puissance économique mondiale. Mm-hmm. Cette puissance économique, elle existe, oui, mais comme elle ne s'est pas donnée une identité, comment on dit, politique, mais politique, je dirais même un mot trop limité, eh bien, alors, et que les classes moyennes de l'Europe souffrent beaucoup, les petites classes moyennes souffrent beaucoup de toutes ces transformations auxquelles, en fait, les gens comprennent très, très mal ce qui se passe. Bon, et c'est normal, ils comprennent mal. Bon, alors, les Gilets jaunes, c'est une forme nouvelle, intéressante d'ailleurs en un sens, mais ça a commencé déjà en Italie largement, toute l'expansion de l'extrême droite partout en Europe. Parce que, au fond alors c'est l'autre aspect du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il y a une revendication qui est entièrement réactive, c'est-à-dire. Et qui se fait justement à partir d'un point très intéressant, c'est-à-dire le prix de l'essence. Parce qu'en effet, il y a une contradiction flagrante entre l'augmentation du prix de l'essence pour des gens qui ont de plus en plus besoin de leur voiture dans des conditions de travail où les emplois sont dans les villes, mais les habitations sont souvent hors des villes pour des tas de raisons. Alors, on ne veut pas que l'essence augmente. Or, on augmente l'essence pour faire payer une taxe qui justement, permette de lutter contre l'usage exclusif des énergies fossiles. Donc là, d'ailleurs, en ce moment, il y a des écologistes en France qui essayent d'établir des liens avec les Gilets jaunes. À l'intérieur des Gilets jaunes, c'est très divers aussi. Il y a beaucoup de choses. Mais moi, ce que je crains, c'est qu'il y a quand même aussi beaucoup de signes, même très visibles, de la présence de l'extrême droite parmi les Gilets jaunes et aussi de l'absorption par certains Gilets jaunes de motifs de l'extrême droite. Et je les comprends, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre discours politique. Il n'y a plus de discours de gauche. Qu'est-ce que vous voulez que les gens attendent des socialistes? Je ne parle même pas des communistes. Vous voyez un autre courant politique. Je ne parle même pas des partis, parce que l'idée même des partis est en... Mais, vous voyez? Alors qu'en revanche, si l'extrême droite dit « on est en train de brader notre souveraineté », ça tient bien. Et puis après, l'extrême droite, elle enfile là-dessus toutes sortes de propositions et d'assurances que, évidemment, un gouvernement d'extrême droite ne pourra pas tenir. Mais, par exemple, Salvini, en Italie, il a commencé en disant « merde à Bruxelles ».
on ne fera rien de ce qu'exige Bruxelles. Et maintenant, il a déjà fait un peu machine arrière, parce qu'il a vu que c'est peut-être un peu difficile. Bon. Seulement, ça montre seulement la difficulté d'avoir une politique entièrement nationale, protectionniste, etc. Bon. Mais d'autre part, ça montre aussi que l'Europe ne fonctionne que comme une machine comme ça de contrôle. Et ça, c'est pas avec ça qu'on va donner un peu quelque chose à vivre aux gens. Ça, c'est assez terrible, parce que... Alors, il y a autre chose que je trouve extrêmement frappant, c'est que, parce que dans tout ce que les gilets jaunes réclament, d'ailleurs peut-être ils réclament tout, ils parlent de tout, parce qu'effectivement, tout est touché. À leur liste, par exemple, on n'a plus de petits hôpitaux, oui, c'est vrai. On n'a plus de petits hôpitaux parce qu'on a mis énormément aussi dans des grands hôpitaux, dans des moyens de médecine à distance, etc., qui ne sont pas non plus, évidemment, la seule solution pour moi, mais qui vont avec les progrès, oui, c'est sûr, de la médecine. Mais une autre, c'est l'école, fermeture de certaines écoles dans des villages trop petits, etc. Mais ça, je dirais, c'est presque rien. En un sens, c'est presque rien, parce qu'on voudrait, oui, qu'il y ait des écoles partout, mais en même temps, ce que montre l'expérience de l'enseignement, du moins en France, mais je pense que c'est plus large qu'en France, depuis maintenant très très longtemps, c'est une chose massive, énorme, c'est que notre société ne sait plus du tout ce qu'elle veut enseigner. Bien sûr, on sait qu'il faut enseigner à lire, mais on n'arrive même pas. On a des enfants de 15 ans, ils ne savent pas vraiment lire. Hier, on m'a demandé de regarder un devoir d'élèves d'une classe terminale parce que ça portait sur la politique et la vérité. C'était effrayant. C'est effrayant ce que des élèves de terminale écrivent. C'est effrayant comme français et comme pensée. Il n'y a rien là-dedans. Ça fait longtemps, je suis persuadé, l'enseignement, le fameux enseignement de la philo en France, c'est un gros mensonge, depuis longtemps. C'est une espèce d'énorme hypocrisie. On dit, nous avons le bac philo, l'épreuve de philo au bac. Et chaque année, on croirait que c'est une espèce de fête républicaine parce qu'il y a l'épreuve de philo au bac. Mais tout est truqué là-dedans. Moi, j'ai un petit-fils, il a passé son bac il y a deux ans, il n'a jamais fait... un devoir de philo dans l'année. Et il ne connaît rien en philo, rien du tout. Et il a passé son bac avec 10,2. Il s'en fout complètement. Ouais. Voilà. Après, maintenant, il fait une école d'art. Ouais. Voilà. Oui, mais ça, c'est très terrible. C'est que toutes les réformes, et je pense à ça, parce que maintenant, vous avez vu, en France, il y a les lycéens et les étudiants, ça y est, qui en profitent pour faire aussi leur protestation. Et la protestation des lycéens et des étudiants, c'est toujours la grande égalité pour tous. Bien, mais l'égalité pour tous actuellement, c'est une égalité de misère. Alors, l'université, c'est une grande misère pour une très grande partie. Pas tout. Je dis pas... Je parle pour la France, mais quand même, je ne sais pas ce que... L'égalité est la cause. Hein ? Et l'égalité est la cause de... Non, ça, je crois qu'il y a une question. Alors là, il y a une question énorme et extrêmement profonde et extrêmement difficile. L'égalité, nous ne savons pas du tout ce que ça veut dire. Mais pas du tout. Alors, nous, évidemment, c'est facile. Nous savons très bien ce que c'est que l'égalité juridique. C'est-à-dire, chaque personne est égale devant le droit, selon le droit, bon, et donc, on pourrait presque dire que c'est là que ça marche presque le mieux, parce que, en effet, devant les tribunaux, la défense et le respect des règles de procédure, etc., est assuré pour tout le monde, hein.
Ben évidemment, le fait que, qu'ensuite qu'il y a, qu'évidemment, quand c'est M. Fillon qui doit apparaître devant le tribunal, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ou quand c'est avec Carlos Ghosn. Mais là, c'est au Japon. Au Japon, c'est moins tendre. Donc, il a quand même un régime de prison assez vieux. Mais bon, peu importe. Mais à part ça, par exemple, l'égalité scolaire, contre laquelle Bourdieu s'est déchaîné il y a maintenant, Dieu, ça doit bien faire 40 ans, moi je pense, les héritiers de Bourdieu. Mais cette égalité scolaire, elle est faussée d'emblée. Elle est faussée d'emblée par les conditions sociales, les milieux, etc., d'origine. Et par un ensemble de conditions aussi, d'époque, de culture, qui font que c'est vrai que dans les années, disons dans la première moitié en gros du XXe siècle, il y avait beaucoup plus de mobilité sociale. Mais depuis, ça n'a pas arrêté de... Bon. Et ça va avec le fait que l'école est un endroit où... d'abord, je dirais, cette chose énorme à quoi on pense pas assez, les enfants, ils ne veulent plus de l'école. Vraiment plus. Ils la rejettent. Hein, la plupart du temps. Et les enfants d'avant, je ne sais pas moi, l'enfant que j'ai été, j'ai jamais aimé l'école. Mais quand il y a un système complet qui fonctionne, ça fonctionne. Donc on vous dit d'aller à l'école, vous allez à l'école. Peut-être vous aussi, vous avez été à l'école bien gentiment, comme tout le monde, même si ça vous embêtait. Mais maintenant, c'est pas pareil, parce que bon, à l'école, il faut bien y aller, alors on y va quand même, et quand on arrive à l'école, de toute façon, on a devant soi un prof auquel on peut lancer des injures, on peut lui cracher dessus, on peut même, là, il y a deux jours, il y a un prof qui a été tué par un ancien élève ou étudiant, je crois qu'il l'a tué au couteau. Mais maintenant, oui, il y a des couteaux, il y a des trucs, bon. Mais pourquoi, moi, je crois que ça, c'est très simple, c'est que l'école ne représente rien. Et l'école ne représente rien parce qu'elle représentait quelque chose quand il était évident, mais c'est une évidence comme ça, une évidence qui n'est pas intellectuelle, qui est plutôt... vécu existentiel, c'est évident qu'on va à l'école, parce que là, à l'école, on apprend les choses qu'il faut savoir pour devenir une personne adulte, etc. Bon. Et même si c'est ennuyeux, on le fait quand même. Tandis que maintenant, au fond, on sait que dans l'école, on n'apprend pas grand-chose, sauf être dans certaines filières, et là recommence la question de l'égalité, parce que on apprend ces filières aussi que selon le milieu dans lequel on est. Bon, alors, il faut m'arrêter, vous savez, parce que moi, je suis interminable.